Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous allez forcément mieux que moi qui n'ai pas fait de vidéo face cam depuis des mois et qui suis totalement rouillée. Voilà. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon nouveau chez moi, hein. On va dire ça comme ça. Alors, le décor est approximatif. Ça ne va certainement pas rester comme ça. Je sais pas. J'avais juste envie de me poser dans un endroit tranquille pour vous filmer cette petite FAQ partie 4 concernant la maison. Je savais pas trop où me mettre. Je me suis dit que j'allais me mettre ici. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. C'est un test. Voilà, je fais un test aujourd'hui, je m'amuse, je bidouille avec mes appareils photo et tout, je fais des tests avec les lumières dans un décor que j'apprivoise encore puisque on a enfin emménagé dans cette maison il y a un mois à peu près. Si vous avez suivi les weekly vlogs, vous avez déjà presque tout vu. En tout cas, vous avez vu beaucoup plus que celles et ceux qui ne regardent pas les weekly vlogs. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez que je fais des weekly vlogs tous les lundis? Si vous ne le savez pas, what a shame! Allez regarder ces weekly vlogs. En vrai, je vous charrie, vous faites comme vous voulez. C'est cool parce que du coup, il y a plein d'informations complémentaires concernant la maison et je trouve que c'est intéressant si jamais il y a des choses, voilà, qui attisent votre curiosité. Tout est dans les weekly vlogs. Globalement, j'oublie pas grand-chose et il y a pas mal d'informations qui sont distillées à l'intérieur, surtout concernant la maison. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions concernant la maison depuis qu'on a enfin déménagé, parce que oui, ça y est, nous sommes enfin dans notre nouvelle maison, pour si vous n'avez pas vu, enfin c'est obvious, mais voilà. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions par rapport à la maison, des choses que peut-être vous vous demandiez. J'en ai vu quelques-unes d'un peu juicy, donc on va rentrer dans le vif du sujet parce que forcément, ça fait un mois qu'on est là, on a des choses à dire, donc écoutez, c'est parti. On va commencer par une question qui m'a fait rire vraiment quand je l'ai vue, j'étais là... Yes! Avez-vous trouvé des surprises laissées par les artisans venus travailler cache-misère ou autre? Alors heureusement, on n'a pas eu des énormes problématiques avec les artisans, on n'a pas eu en fait des endroits où on s'est dit ok là ça n'a pas été fait correctement, etc. On a vu des petits défauts effectivement qu'on a dû adapter tout simplement, on a dû appeler l'entrepreneur pour qu'il appelle les artisans, pour qu'ils reviennent corriger. Parce que forcément, on va pas se mentir, entre vous et moi, c'était un chantier qui avait quand même été assez express, c'est-à-dire que les artisans et les ouvriers ont eu uniquement 6 mois pour transformer une maison. Alors à la fois, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, c'est pas tant que ça pour la dose de travail qu'il y avait à faire et par rapport à tous les déconvenus qu'on a pu avoir dans la maison. Donc il y a eu des petites choses forcément qui ont pu laisser à désirer mais qui ont été recorrigées. Comme par exemple le fait d'avoir peint sur les portes, vous savez, les petits loquets qui vous permettent en fait de dégonder la porte et en fait de pouvoir l'ouvrir entièrement. Avec la peinture, ils ont été totalement collés et donc on n'arrivait pas à ouvrir les portes. Donc il a fallu régler ce genre de petites choses et tout. En vrai, c'était vraiment plutôt dans les détails, dans les petites choses, mais pas dans les gros travaux, pas dans le gros œuvre. Franchement, heureusement, parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Donc globalement tout s'est bien passé. Après honnêtement, les ouvriers sont repassés là la semaine dernière pour encore peaufiner parce que c'est pas terminé, et honnêtement à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, la maison est loin d'être finie. Même si on a bien avancé, la maison n'est pas du tout terminée. On a retrouvé néanmoins des mégots de cigarettes, mais ça, qu'est-ce que tu veux faire, tu peux pas empêcher les gens de fumer hein quand ils travaillent. Ça, c'est vraiment revenu beaucoup dans les questions. À quand les travaux du sous-sol? Quand comptes-tu commencer l'aménagement des combles? Quelles sont tes inspirations? Je prends cette question parce que, en fait, pour tout vous dire, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on est en train, normalement, de finir le ponçage des sols, de faire la peinture, la déco, etc. En gros, les combles, elles vont vraiment servir à accueillir des gens à la maison. Il y aura 2 chambres et 1 salle de bain et on a décidé, pour les combles, de les faire nous-mêmes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo sur cette chaîne aussi, où je vous ferai un avant-après un peu spécial, où je vous montre en fait toutes les étapes par lesquelles on passe. Parce qu'il n'y a pas énormément de travaux à faire à l'intérieur, c'est surtout de la rénovation en fait, un peu lourde à certains endroits, mais franchement ça va, et donc en fait c'est nous qui allons la faire tout simplement. Donc j'avais envie de vous préparer une vidéo avant après un peu spéciale pour cette transformation, donc vous la verrez bientôt. J'ai des chouettes inspirations, je vais pas tout vous spoiler maintenant, mais ça sera bientôt fait et j'ai hâte, parce que une fois que ce sera fait, on pourra accueillir du monde à la maison, et ça franchement c'est trop bien. Comment faire pour rester motivé et continuer d'aménager brico déco une fois sur place? Je vais pas te mentir, franchement c'est dur. En fait, ça fait tellement de mois qu'on a la tête là dedans que même si nous on n'a pas fait les travaux, vraiment on n'a pas mis la main à la pâte comme ont pu le faire les ouvriers et les artisans, alors en fait on est déjà épuisé. Quand on est arrivé ici, on en avait déjà marre en fait des travaux. Tout ce qu'on voulait nous, c'était habiter là et c'était tout. Sauf qu'en fait, quand on a déménagé, c'était pire. En fait, je vais vous dire la vérité, c'était pire. Une fois qu'on a mis les pieds dans cette maison, qu'on a posé nos valises, en fait tout ce
qu'on a vu, c'était les choses qu'il fallait encore faire. Et franchement, pendant bien une semaine, ça nous a mis mais plus bas que terre. Vraiment, on ne voyait que les défauts de cette maison, on ne voyait que les choses qu'il fallait encore faire, encore aménager et tout. Enfin vraiment, il y a eu un moment où en fait on s'est senti submergé, on s'est dit mais là c'est trop en fait. Là on n'avait pas l'énergie, on était juste fatigué de ça et on avait juste plus envie. Donc on s'est dit comment on va faire. En fait finalement, avec le temps, c'est un petit peu comme tout. Déjà il faut le temps de réussir à prendre tes marques, réussir à t'installer correctement, commencer à avoir de nouveaux repères, savoir aussi ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, les regrets. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur ce qu'on regrette avec cette maison, parce que vraiment il y a trop de trucs qu'on regrette. Du coup la motivation elle vient au fur et à mesure, parce que bah il y a des moments où tu te sens plus inspiré, il y a des moments où tu te sens plus motivé, il y a des moments où t'as plus d'énergie, où tu te dis non mais là c'est le moment, il faut le faire. Et en fait c'est aussi le sentiment de satisfaction, d'accomplissement quand c'est terminé et qu'en fait tu regardes ta pièce ou tu regardes l'endroit que t'as décoré ou le truc que t'as fait, tu te dis putain ben je suis contente de l'avoir fait, ça rend super bien, c'est trop beau, voilà, une chose de moins, maintenant il reste d'autres trucs, mais voilà, ça c'est fait. Je dirais en fait il y a les petit à petit des choses qui sont atteignables et malheureusement faire abstraction aussi des choses qui sont pas faisables maintenant, parce que clairement bah nous on a fait notre deuil sur certains trucs clairement pour le moment. Bonjour, es-tu satisfaite de ta cuisine en termes de praticité, aller-retour, cuisine et arrière-cuisine? Alors franchement je m'attendais pas du tout à recevoir ce genre de questions, pourtant super intéressant, parce que moi aussi au bout d'un moment ça m'a fait un petit peu peur. Au début, les premiers jours, j'étais totalement perturbée, j'étais en mode mais putain mais pourquoi j'ai fait ça, en fait c'est pas pratique, bref ça me paniquait un peu, mais c'est juste parce que j'avais pas du tout l'habitude. Dans l'ancienne maison la cuisine était plus petite et comme c'était une forme de L, bah c'était beaucoup plus pratique pour avoir accès à tout en deux temps trois mouvements. Forcément là la cuisine est disposée différemment, donc le temps de prendre mes marques au début j'étais un peu perturbée, mais en fait au final ça se fait tout seul. J'ai juste en fait pris l'habitude de mettre des choses dont j'avais besoin un peu au quotidien dans la partie où je travaille le plus, donc à savoir sur l'îlot central. Normalement à l'heure à laquelle cette FAQ sort, vous avez probablement vu l'avant après de la cuisine. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets dans le petit i là, vous pouvez cliquer pour aller la regarder. C'est juste des petits ajustements à faire, tu vois, genre mettre les ustensiles au bon endroit, les choses dont tu te sers souvent, enfin voilà. Mais en fait en vrai j'ai pas de problématique, parce que la seule raison qui fait que je vais dans l'arrière cuisine, c'est soit pour mettre un truc au four, soit pour aller chercher quelque chose dans le frigo. J'ai pas d'autre raison d'y aller parce que tout est sur le plan de travail, donc franchement non, je m'y suis bien fait et je trouve que c'est bien comme ça. Ton retour sur une chambre sans fenêtre directe, franchement ça nous fait ni chaud ni froid. En fait on en a rien à foutre, dans le sens où on passe pas du tout de temps dans notre chambre, c'est à dire que notre chambre elle est là parce qu'il faut bien un endroit où on dort, mais on passe aucun moment dans la chambre, on est toujours ailleurs dans la maison. Même les moments qu'on passe principalement ensemble, on est dans le salon, etc. Donc j'avoue qu'en fait la chambre pour nous c'est très bien comme ça, on n'a pas du tout besoin d'avoir de la lumière directe ou même une fenêtre, sachant qu'en fait on en a des deux côtés, une dans le dressing et une sur l'autre chambre, et en fait celle du dressing elle nous réveille de toute façon même s'il y a un volet, donc en fait en soi on a quand même de la lumière naturelle dans la chambre, ça nous pose vraiment aucun problème. Comment ça se passe avec la chaleur, avec la verrière dans votre bureau? Bah écoute, actuellement j'ai pas de problème de chaleur, puisqu'en fait ici en Belgique depuis quelques semaines il fait 2 degrés littéralement, j'ai sorti la couette et les plaids, et à l'heure à laquelle je tourne j'ai même un peu froid. C'est pour te dire à quel point la météo en Belgique est flinguée, complètement flinguée. Non mais blague à part, en vrai même quand il y a du soleil franchement il fait un peu chaud, mais c'est totalement gérable. Et en fait là vous le voyez pas, mais j'ai des rideaux qui sont occultants, donc en fait il y a pas de soleil qui passe ici, donc franchement c'est ok. Je pense que j'aurai un peu chaud, j'allais dire l'été prochain si jamais il fait très très chaud, enfin je sais pas, pour l'instant j'ai pas expérimenté encore les grosses chaleurs dans mon bureau, donc je n'aurai pas la réponse à ta question, mais pour l'instant ça va. Et est-ce que tu comptes faire quelque chose de la partie verrière de ton bureau? Alors ça je vais pas vous mentir, c'est ce qui me pose actuellement le plus de problèmes. La meuf elle a des problèmes. Non c'est pas vraiment un problème, mais en gros c'est vrai que cette partie là pour l'instant elle est pas vraiment exploitable, dans le sens où déjà pour commencer j'ai pas encore les stores dans les verrières, donc du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil, ça peut être aveuglant etc, donc pour l'instant il y a pas grand chose. Moi dans l'idée pour cette verrière, ce que je m'étais dit c'est que j'allais faire en fait un petit salon, je vais mettre un petit tapis parce qu'il y a un sol en verre, donc voilà je veux quand même mettre un tapis pour pas trop le rayer, mais pas trop grand parce que sinon ça sert à rien d'avoir mis un sol en verre, donc un petit tapis, probablement une méridienne, peut-être genre une petite table pour pouvoir mettre en fait des livres, des choses comme ça, peut-être un endroit en fait pour pouvoir me poser, pour bosser, parce que j'adore bosser bah en fait dans un fauteuil ou sur une méridienne, je trouve que c'est super agréable avec mon ordi portable et tout, je trouve ça cool. Donc peut-être envisager ce genre de choses là, mais quand les stores seront posés, quand on aura aussi commencé à ranger slash aménager slash faire les travaux slash construire la cave, parce que la verrière elle donne directement sur la cave, et pour l'instant la cave c'est un non-sujet avec Henri, donc bref, tu ne crains pas que tes animaux, surtout le chat avec les griffes, abîment votre escalier? Et ben en toute transparence elle l'a pas touché une seule fois aux escaliers, Nova, elle en a rien à carrer réellement, elle s'en tape franchement, de toute façon c'est pas un chat qui fait beaucoup ses griffes, elle les a jamais trop fait, et donc en vrai elle y touche pas, donc on a aucun problème.
même, et au contraire c'est vraiment pas mal parce que Jelly du coup elle peut monter les escaliers sans glisser et franchement elle est bien sur le sisal, donc aucun regret. Nous là vraiment ça fait un mois qu'on l'a et on est trop contents. C'est vraiment génial, c'est un super matériau je trouve pour les escaliers, c'est vraiment cool. Ça se salit pas, ça s'abîme pas, franchement c'est un bon choix, on est assez contents du choix qu'on a fait en vrai. J'ai eu deux questions qui sont pas mal revenues: à quand les travaux du jardin, à quand les travaux du sous-sol. Alors je vais vous répondre. Très simplement, les travaux du jardin cette année, c'est pas prévu. On a décidé en fait de le laisser en jachère. Moi, j'appelle ça un jardin en jachère. Il y a des plantes qui poussent à droite à gauche. L'avantage en fait de laisser son jardin comme ça, c'est qu'il y a énormément d'insectes. Il y a des papillons, il y a des abeilles, il y a des guêpes, il y a plein de petits oiseaux. En fait, il y a vraiment un écosystème dans le jardin. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que c'est important en fait de pas raser un jardin 100% à ras et de laisser aucune végétation pour la faune et pour la flore. Je trouve que c'est important, surtout qu'en plus nous on est en ville, donc je pense que ça peut faire un petit oasis pour les espèces et surtout pour les papillons et pour les pollinisateurs en fait. Enfin, pour la planète, c'est bien en fait de pas toujours tout défoncer dans le jardin. Donc en fait là on le laisse. Ça fait un an qu'il est à l'abandon ce jardin et qu'il est en train de vivre sa vie. Mais moi ça me dérange pas, franchement c'est hyper joli. Quand j'ouvre ma verrière, je vois des fleurs partout, je vois des plantes, je vois des fraises, des bois, bah je kiffe, je trouve ça trop mignon. Donc pour l'instant le jardin vraiment on le laisse comme ça. On verra à la fin de l'hiver qu'on décide d'en faire. On a des petites idées, on a des envies, on n'est pas d'accord sur tout. Moi je sais que j'ai très envie d'avoir un petit coin jardin potager. On a éventuellement l'envie d'avoir un bassin, mais on sait pas encore comment, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire, etc. Donc voilà, on va voir. Je pense que pour ça on va faire venir un paysagiste parce que clairement nous on n'a pas les skills hein, pour voir le potentiel de nos jardins. Donc on verra, mais ça c'est vraiment pour plus tard. Et le sous-sol, franchement, le plus vite possible, parce que pour tout vous dire, on s'est rendu compte avec Henri que là on avait vraiment trop laissé le sous-sol faire sa life, et clairement il y a un écosystème qui s'est créé dans le sous-sol les gars. On s'est rendu compte qu'on avait de la moisissure sur les murs du sous-sol alors que c'était des murs qui avaient été refaits. Donc en fait là on commence à paniquer parce qu'on se rend compte qu'il va falloir qu'on fasse installer tout un système de ventilation dans le sous-sol, parce qu'en fait il n'y en avait pas. Il y a juste une fenêtre et donc il n'y avait pas de système de ventilation, et sauf que en fait c'est là où on va mettre la buanderie, donc en fait c'est tout un bordel. Oui, parce que pour l'instant on n'a pas de machine à laver, c'est-à-dire que là ça fait un mois qu'on fait nos machines à la laverie les gars. Voilà, écoutez, c'est fun. Non mais parce qu'en fait blague à part, il faut qu'on termine la buanderie pour pouvoir accueillir les machines et tout. Normalement on va s'y mettre. On va s'y mettre. Un peu de couleur prévue dans la maison, ce sera partout noir et blanc. Bah écoute, c'est pas prévu. Franchement, on aime bien le noir et blanc. En fait, on voulait juste quelque chose de neutre. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une ancienne FAQ. En fait, l'idée c'était vraiment que ça nous plaise à tous les deux avec Henri, et comme tous les deux on a des idées très tranchées sur la déco, on s'est dit que le plus simple ce serait de faire quelque chose de neutre pour justement pas avoir à créer de conflit. Donc en fait non, on aime bien le noir et blanc, on trouve que ça va bien avec le style de la maison. Les éléments colorés en fait ils viennent s'ajouter autrement, soit par de la déco, soit par des coussins, soit par des plaids, soit par des voilà du petit mobilier et tout. Mais en vrai on avait juste envie de respecter un peu le cachet de la maison et du coup de faire une décoration en conséquence. Moi le noir, le blanc, le gris, le beige, c'est des choses en fait qui me calment bizarrement. C'est des couleurs en fait qui m'apaisent et qui font que j'ai toujours l'impression que la maison est rangée. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. J'aime pas trop quand il y a trop de couleurs dans tous les sens. J'ai du mal de toute façon avec la couleur, ça vous le savez je pense. Même si l'un de nous deux a envie de la couleur, il le fait dans son bureau respectif, donc voilà. Même si j'ai pensé à faire attention du vert foncé quelque part dans la maison. Je sais pas encore où, peut-être dans une des chambres, mais on verra. Mais c'est du foncé, pas clair. Maison plus grande égale plus d'accumulation, ou alors est-ce que tu parviens à tenter d'être minimaliste? Alors en fait, moi je suis pas minimaliste, donc déjà comme ça le problème est réglé. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. Je tends vers plus de minimalisme dans ma vie, et c'est réussi par rapport à il y a quelques années. Quand on fait la comparaison, c'est clair que ça n'a rien à voir. Par rapport à il y a 6-7 ans, voilà, j'ai 10 fois moins de choses. Et ça, ça vient aussi avec l'âge. Hein. Il me semble qu'à un moment donné, tu passes le cap. Franchement, depuis qu'on a la maison, j'ai rien acheté en plus. J'ai acheté un petit peu de mobilier pour les pièces, mais juste le strict nécessaire. J'ai pas acheté de surplus qui ne servait à rien. Je me suis énormément resservi en fait de choses qu'on avait justement peut-être en trop à l'époque et qui maintenant trouvent leur place petit à petit dans la maison. J'ai pas envie d'avoir plus, j'ai pas envie d'accumuler. Je suis très bien avec ce que j'ai, je trouve qu'on a vraiment suffisamment. Donc non, honnêtement, on n'a pas acheté plus. On est resté avec ce qu'on avait et on a acheté vraiment le juste milieu, le nécessaire pour la maison. Et peut-être que ça viendra avec le temps, peut-être que bah voilà, avec
avec les années, on va continuer d'acheter, de toute façon c'est comme ça et peut-être que la maison se remplira. Mais pour l'instant franchement, il y a plutôt même des pièces extrêmement vides et franchement tant mieux. J'ai eu pas mal de questions sur le hall d'entrée, il y a des gens qui m'ont demandé pas de carrelage dans le hall d'entrée, qu'est-ce que vous allez faire dans le hall d'entrée. Alors bon, si vous avez suivi les weekly vlogs déjà, vous avez vu que dans le hall d'entrée il y a eu un méga changement. On a installé une deuxième porte, on a peint tous les murs en blanc et on a peint les détails du miroir en noir. Donc là vraiment on a une entrée vraiment majestueuse et incroyable. On a quelques idées pour cette entrée. Le carrelage, on va le changer mais dans un second temps. C'est effectivement pas la priorité. Pour l'instant c'était le carrelage d'origine. Il est pas super joli, il est un peu abîmé, il est pas facile à nettoyer parce qu'il a des rainures. Il fait mal aux pieds quand tu marches pieds nus dessus, clairement. Il est pas agréable, donc dans le futur on va changer et on va mettre du carrelage. Plus facile à nettoyer, plus facile d'entretien, plus hygiénique et plus joli, clairement, qui isole un peu mieux, mais ça ce sera plus tard. Franchement c'est pas la priorité. Dans l'entrée on compte vraiment séparer l'entrée en deux sas. Un sas pour je sais pas moi, les facteurs qui viennent déposer les colis, etc., les livreurs, les machins. Et un sas où on rentre vraiment dans la maison, un petit peu comme si c'était un hall d'immeuble, un hall d'entrée, pour qu'il y ait vraiment en fait une scission entre les deux. Et pour le reste, on a des idées de déco, mais on va faire quelque chose de très simple. Et je pense qu'en fait cette entrée, il faut pas la surcharger, il faut la laisser comme elle est parce qu'elle est tellement belle, elle est tellement grande que ben pour moi il faut rien faire, il faut juste mettre un peu de déco, mais c'est tout. Vraiment, il faut rester super minimaliste sur ce type d'entrée, je pense, pour faire en sorte que ça soit pas surchargé et que ça soit clean. Après, les goûts changent. Si jamais vous avez des idées ou des recommandations, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi, je suis preneuse de déco, vraiment. Bon, allez, on termine avec une petite question sur Henri et moi. Votre nouvelle organisation à travailler tous les deux dans la même maison se passe bien. Franchement, on n'a jamais été au top comme ça. C'est pas compliqué. On se voit quasiment pas la journée quand il est dans son bureau et quand moi, je suis ici. Honnêtement, on a très peu de contacts. Le seul problème, je dirais, c'est que du coup, on s'appelle au téléphone quand on veut savoir où est l'autre parce que bah, c'est vrai que c'est une grande maison. Et que des fois t'as pas envie de monter les escaliers pour savoir où est l'autre. Donc non, en fait tout se passe bien. Quand il fait de la musique et tout, j'entends rien du tout. Quand je filme mes vidéos, il n'entend rien du tout. Quand je fais mes streams, il entend rien. On a vraiment nos deux espaces dans la maison et franchement, je vais pas vous mentir, c'est super agréable pour travailler parce qu'en fait on n'a pas du tout l'impression d'être ensemble. Non pas que j'aime pas Henri, mais c'est juste que c'est super important, je trouve, d'avoir chacun son individualité, chacun son espace pour travailler, chacun sa sphère un peu semi-privée. Et je trouve que c'est super important. Donc non, franchement, ça se passe hyper bien. Vraiment aucun problème, si on a envie de se voir, on sait où se trouver et franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, donc non, on est vraiment contents. Voilà, c'est tous les retours que je peux vous faire après un mois dans cette maison. Il est trop tôt pour le dire, hein. Il y a encore plein de choses qui vont changer, il y a sûrement plein de choses auxquelles on va encore devoir s'adapter et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Si je vous fais la liste de tout ce qui nous reste à faire, mais je vais vous la faire pour que vous vous rendiez compte parce que ça m'a été demandé, genre qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les prochains plans. Donc, on va devoir faire toutes les combles, donc c'est-à-dire les deux chambres du haut plus toute une salle de bain qu'on va faire nous-mêmes. Il manque encore les escaliers du haut, le sol du haut. Il faut qu'on fasse tout le sous-sol. Et franchement, tout le sous-sol, c'est tout un étage. Donc c'est-à-dire une buanderie, deux pièces, probablement une salle de bain, refaire toute la peinture, les sols, l'étanchéité, remettre aux normes. Ça va vraiment nous prendre, je pense, tout l'hiver, mais même plus parce que franchement, je sais même pas combien de temps ça va prendre, mais c'est flippant. Il faut encore qu'on fasse toute la façade arrière. Ça, je vous en ai pas parlé, mais la façade arrière, c'est un délire. Il faut la refaire en entier. Toute la façade arrière, les deux balcons, la cheminée aussi qu'on aimerait bien ouvrir pour l'hiver prochain. Il faut encore faire tout le jardin, toute la terrasse et dans un futur peut-être proche, plus ou moins proche, dans je dirais 2 ans, 3 ans, j'aimerais bien changer la véranda et avoir une véranda avec une porte qui s'ouvre sur le jardin parce qu'en fait pour l'instant c'est une véranda qui est comme elle est mais il n'y a rien de plus, enfin c'est une véranda mais sans porte sur l'extérieur. Moi non plus j'ai pas compris l'utilité. Il faut aussi qu'on termine tout le vestibule, le dressing qu'on va refaire en entier, la chambre numéro 2 tout en haut qui n'a pas du tout été ni faite ni aménagée. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses encore. Il y a aussi le porche de la maison, pareil, qu'on aimerait bien refaire en entier. Mais bon, voilà, enfin, de toute façon, c'est ce qui va nous garder occupés. Moi, je trouve ça super chouette, en fait, d'acheter une maison qui va te donner des projets de décoration, d'aménagement dans le temps. C'est vraiment comme si t'achetais un énorme tableau blanc, un canevas, et qu'en fait, tu le peignais un peu tous les jours. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je la vois, cette maison, et je trouve que c'est génial parce que quand t'es quelqu'un de créatif et quand t'as envie de mettre la main à la pâte, ben, c'est génial parce que t'as toujours un petit truc à faire dans ta maison. Je trouve que c'est super gratifiant parce que c'est chez toi, c'est ta maison, c'est à toi, tu l'as acheté. Et du coup, t'investis vraiment dans du temps et de l'amour dans un projet, dans un projet qui t'appartient à la fin. Regardez qui vient me dire bonjour. Tiens, tu vas répondre à une question avec moi. Hein ? Le papillon. Ah !
J'avais oublié de dire ça. Ici, on a trouvé des surprises laissées par des artisans. Et ouais, on en a trouvé quelques-unes, mais dont une qui est assez mignonne, c'est ceux qui ont fait le toit, Batibo. Eh ben, en gros, le... Je sais pas comment t'appelles ça, le ferronnier ? Je sais pas, mais bref. Là, celui qui a fait la zinguerie. Celui qui a fait la zinguerie, ouais, mais en gros, qui gère le métal, quoi. Il m'a dit, ah ouais, t'es DJ à Tomorrowland, du coup, je t'ai fait un petit papillon en référence à Tomorrowland. Et du coup, si tu regardes sur notre toit, ben, il y a un petit papillon en métal. Ouais, c'est vraiment un papillon en métal. Et c'est cute, quoi, c'est mignon, je trouve. Ouais, parce qu'il y a que nous qui pouvons le voir. Et ça, ouais. C'est vraiment trop mignon. Bon, voilà, c'était le mot de la fin. En fait, j'avais pas pensé au petit papillon parce qu'il est effectivement sur le toit, à côté du bureau d'Henri, et qu'en fait, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai, et ça, c'est une surprise positive et c'est trop mignon. Donc voilà, en fait, il y a encore plein de choses à faire dans la maison, mais je vous invite à continuer à regarder les weekly vlogs. D'ailleurs, je voulais vraiment prendre ce temps pour vous remercier de tout l'engouement qu'il y a autour de ces weekly vlogs depuis le départ. Franchement, je suis super contente de voir qu'on a trouvé un format où on pouvait se retrouver. Vous et moi, et ça me fait vraiment hyper plaisir que vous soyez toutes les semaines au rendez-vous pour ces weekly vlogs. Merci beaucoup. Sachez que moi j'attends tous les lundis avec impatience de vous lire, de lire vos commentaires, de vous poster une vidéo ou un weekly vlog. J'adore cette relation qu'on a recréée et je trouve que voilà, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire et c'est trop agréable. Donc merci du fond du cœur, les amis. À l'heure à laquelle vous regardez cette FAQ, je suis probablement encore en vacances. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette FAQ maintenant. J'espère en tout cas que vous passez ou que vous avez passé un bon été. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.